d'eau ont été importés, 60% des habitants doivent encore être ravitaillés en bouteilles d'eau minérale. Souvent, ce sont des solutions un petit peu provisoires, mais qui permettent malgré tout de rétablir ces réseaux. Bien sûr, il y aura d'autres travaux qui devront être faits dans c'est le temps. Qui paye, donc c'est qui... L'armée et les entreprises de travaux publics sont déjà à l'œuvre, mais lorsque les accès sont difficiles, le déblaiement et le petit ouvrage prendront au moins 15 jours. Les experts estiment que dans la vallée de la Roya, le rétablissement de l'eau courante et du réseau électrique nécessitera plusieurs mois. En attendant, les générateurs transportés par hélicoptère